Salut à tous, suite peut-être fin d'expérience à Chopin RC, il y a une grosse quinzaine de jours, je crois que c'était vers le 18 mars, je m'étais dit pourquoi ne pas tenter une à Chopin RC pour voir où c'en était. Je vous renvoie la vidéo que vous trouverez dans le descriptif, je vous si vous regardez la vidéo, vous avez vu que je me suis quand même bien facilité le transit pour certaines parties, parce que ça n'y a pas à dire, l'installation n'est pas évidente. Donc, 13-14 jours sont passés. Les principales nouveautés, c'est que j'ai rétrogradé le dépôt testing parce que Mathé est arrivé sur le dépôt stable. Donc c'est pour ça que j'ai plus besoin d'avoir stable, enfin, testing activé. Les mises à jour, OpenRC est passé à la version 0.24.1 à la 0.24.2, donc une mise à jour mineure. Ça a été très tranquille. À l'utilisation, quand j'utilisais pour voir comment ça fonctionnait, j'ai rien vu de bien, entre guillemets, bandant. Donc, on va lancer la vidéo et voir ce qu'on en est. Donc, bien sûr, les mises à jour sont faites. Là, je crois qu'on en est au noyau 4.10.6. Donc, on a dû gagner une ou deux versions de noyau. D'abord, c'est OpenRC 0.24.2 au lieu du 0.24.1. Donc, ça démarre toujours aussi bien. Juste rajouter 2-3 logiciels pour voir si ça fonctionnait. Donc ça démarre. Nous avons notre ami LightDM qui se charge. Pardon. Voilà, donc LightDM se charge. C'est un petit bug de VirtualBox. Donc, juste fermer la session et la rouvrir. Comme ça, tout sera bien ordonné sur affichage. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose. C'est notre ami Arch. Voilà. Sauf que c'est OpenRC en dessous au lieu de systemd. Donc comme je vous disais, on est monté un peu au niveau des noyaux. On est au 4.10.6. Je crois que c'était 4.10.5 ou le 4.10.4 quand j'avais fait l'installation. Le niveau 4.10 a tendance un peu à être fou furieux au niveau des mises à jour mineures. Ça, c'était un truc que j'avais oublié de vider. Donc, que dire? C'est fonctionnel. Les seules différences, c'est au niveau de la gestion des services. Au lieu de faire un système CTL enable, on fait un RC update add nom du service. Au lieu de faire un système CTL start, stop ou restart, on fait un service nom du service start, stop ou restart. Donc là, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Pas grand-chose de différent. Par contre, je me souviens que je vous avais parlé des problèmes au niveau de la gestion de l'énergie. Peut-être pas. C'est-à-dire que j'ai voulu rajouter le gestionnaire d'énergie. Et manque de peau, les paquets ne sont pas vraiment frais. Parce que si on cherche Power Manager, on a celui-là, mais il va rentrer en conflit avec celui-là. Parce qu'il faut le Power Manager. Si je mets celui-là, je fais installer, appliquer. Normalement, il doit rentrer en conflit et il ne doit pas fonctionner. Donc, on va voir s'il se lance. Mais je vais voir si ça sera très fonctionnel. Non, il ne se lance même pas. On va chercher UPower. C'est une dépendance. CPU Power, matériel mal. Voilà. Si on veut le paquet officiel d'OpenRC, voilà. Donc, il faudrait faire recompiler Mathé Power Manager, mais c'est une version 1.12. Donc là, vous voyez, il y a un conflit déjà. Le paquet n'est pas à jour. Si c'était une version 1.16, ça irait. Mais c'est une version 1.12. Et si on cherche UPower, il y a des précises contre la version 0.9.23. On cherche UPower, on est à la 0.9.4, donc aucun rapport. De toute façon, on peut être un peu plus avancé. Donc déjà, c'est un peu la mouise. Ne serait-ce que pour ça. Autre problème. Bon, le paquet étranger, il n'y a pas grand-chose. Mais si on regarde au niveau des dépôts, les paquets Arch OpenRC, oui. Et Arch ou systemd. Que se passe-t-il si on désactive les deux dépôts?
Parce que ça pourrait très bien arriver que les dépôts en question finissent un jour par tomber aux abonnés absents. Donc je fais sudo nano, etc. pacman.conf pour désactiver temporairement les dépôts en question. Voilà, je les active temporairement. Je vais relancer le gestionnaire de paquets. Je vais actualiser les bases de données et comme ça, on sera sûr et certain. Voilà, j'ai deux paquets orphelins. On se demande pourquoi d'ailleurs. Bon, bref. Paquet étranger. C'est pas un problème. Mais si on regarde sur les paquets. Par contre, je crois que c'est par yaourt qu'on peut s'en apercevoir. Donc, je vais installer temporairement yaourt. Parce qu'avec paquet UR, je ne sais pas comment on fait, donc je vais passer par yaourt. Et vous allez voir le nombre de paquets qui sont marqués comme locaux. À savoir qu'ils n'ont pas d'équivalent sur AUR. Ce qui est un peu dommage. Bon, je recherche comment je veux faire dans paquet UR, mais ce sera plus parlant avec yaourt. Donc on va attendre quelques secondes que Yaourt s'installe. Voilà, on va faire un petit clear maintenant. Et si mes souvenirs sont bons, c'est la commande yaourt-qam. Voilà, il y a au minimum 4 paquets locaux. Et nombre de paquets qui sont, dirons-nous, obsolètes. Il y en a 1, 2. Console kit apparemment n'existe pas. Le console kit existe, mais apparemment c'est OK. Alors déjà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, vous voyez déjà le paquet qui est mis à jour sur AUR, mais qui n'est pas mis à jour sur, sur le dépôt à ChopinRC. Ok, PMAKUR, blablabla. Et 4 paquets orphelins, Chrony, OpenRC, OpenRC Memorialist. Donc, je vais voir si je fais un PAKUR-SYQ pour voir ce que ça donne, si on peut mettre à jour l'ensemble. Vous avez au minimum 4 paquets qui n'ont pas de correspondance sur AUR. Ouais. Donc là, on va voir, on espère que ça va se compiler rapidement. Ça va bien se compiler, bien sûr. D'accord. On va supprimer 6 VINIT. Je ne sais pas si ça peut fonctionner. On peut toujours essayer. Mais vous voyez, le problème, c'est que nombre de paquets ne sont pas à jour par rapport. D'accord, ce que je vais faire, par contre c'est pas bien, mais je vais mettre skip integ. Je sais c'est pas bien, mais d'accord, vous voyez, on peut pas mettre à jour la moitié des paquets. Donc je vais pas aller beaucoup plus loin. Vous vous retrouvez avec pas mal de paquets qui ne sont, peuvent pas mettre mis à jour ou qui n'existent pas sur AUR. Donc si un jour il y a du dépôt en question tombe en rade, vous avez un système qui n'est plus mis à jour, qui ne peut plus être mis à jour. C'est dommage. Donc, sur le plan pratique, bon, je vais éteindre parce qu'il n'y a pas grand chose à rajouter, c'est utilisable. Mais le problème, c'est que la réalisation pêche un peu. Et vous pourriez très bien vous retrouver avec un système que vous ne pourrez plus mettre à jour si les dépôts décident de partir aux abonnés absents. Et ça, c'est ennuyeux. Donc, pour conclure, si vous voulez une base Arch avec OpenRC, la solution la plus, dirons-nous, la plus simple,
la plus fiable et la moins dangereuse, si on peut dire ça comme ça, c'est la Manjaro Open RC. Là, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un système qui sera de guingois à un moment ou à un autre. Voilà, c'est dommage de dire ainsi, mais c'est comme ça. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye!